Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue où vous pouvez carrément mettre, vas-y, allez-y, mettez un like et puis laissez un petit comme genre, j'ai vu, et puis vous pouvez partir parce qu'en vrai, ça va pas être terrible aujourd'hui, du moins je sais pas, mais comme on est entre deux voyages à Selvadorada et qu'on n'a pas grand chose à faire, ça va être long. Voilà. Tiens, d'ailleurs, les plantes ont repris leur cours normal, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'on est bien en été. Ça, c'est toujours toute l'année. La dernière fois, c'était pas poussé. Enfin, moi, des fois, les plantes, elles bug. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon beau? Il est blasé. En manque d'extrême de voyage. Mais mec, je sais que t'es riche, mais on n'a pas le droit. Pendant 10 jours encore, tu dois rester à ta baraque. C'est comme ça. Bon, pendant qu'il finit son petit-déj... Sur sa terrasse, nous avons reçu du courrier. Eh ben oui, c'est pas les factures. Bah oui, j'étais en train de me dire il faut les payer, mais non, mais c'est pas les factures. Donc ça doit être peut-être des trucs à dépoussiérer, là, pour le conseil d'archéologie. Ouais, il est passionné par sa vie, là, à l'heure actuelle. Bon, et viens là, tu vas me faire un petit footing. Hein, faut garder la shape, là, pour plus décevoir tes fans. Donc le petit footing... Du matin, bon, il est presque 11h, hein, mais c'est bien se lever à cette heure-là, c'est cool. On peut pas dire qu'il a la pression celui-là. Donc, petit footing, de bon matin, entre quelques gouttes, ça passe aussi. Bon, bah, go authentifier des objets anciens, ça c'est celui qu'on vient de recevoir, donc c'est parfait. Celui-là, on va le mettre dans l'inventaire et on va découvrir d'autres. On va avancer là-dessus, de toute façon, c'est la seule chose à faire pour l'instant. C'est un déjà. C'est donc un authentique. Et il va le renvoyer. Et du coup, on a gagné des sous. Bah, ils nous ont payé? J'ai pas vu. Les arnaques. Encore un petit truc authentique. On va faire don au musée. Comme ça, il va récupérer sa notoriété. Il sera peut-être moins blasé. Tout ça en rime en « et ». Et c'est encore de l'authentique. C'est en or en plus. Regarde comme ça tire la langue. C'est joli comme tout. Et ben voilà. Tu peux encore découvrir un objet ancien. On a la dernière mode de terre. Et puis authentifier. On va prendre le couteau ici. On va faire ça pour aujourd'hui. Allez, non, déjà 22h. Fais un don au musée. Et fais un don au musée. Tu vas me prendre une petite douche. Et ensuite tu vas prendre ton dîner. Et voilà, on aura déjà passé une journée. Pas faire grand chose, mais faut bien passer le temps, hein, en attendant de retourner à Selvadorada. Ouais, c'est lui qui a choisi son programme télé et il regarde quoi? Un film d'action d'un explorateur qui explore. Ouais. C'est cool. Bah écoutez, c'est sa passion. Bon, on peut pas dire que ça le passionne. Non seulement donc il est blasé parce qu'il est en manque extrême de voyage, il a également coincé à l'intérieur parce que, bah voilà, il est chez lui. Ennui et trop plein d'énergie, style de vie dynamique. Pas d'action, pas de divertissement. Ouais, c'est chiant le style de vie. Dites-vous qu'il en est à un moment où il préfère, et ça le divertit plus, de parler à ses plantes que de regarder la télé. En même temps, la télé, moi je la regarde pas non plus, donc je le comprends. C'est l'automne! Voilà. Tant pis. Et vivement que quelqu'un passe faire le ménage aussi. Hein. Bon, tu vas me faire un petit footing là? Allez! T'as pris une touche énergisée. Ben non, mais il est blasé parce que monsieur, il a besoin de voyager. Mais bon. Tu sais, quand tu seras ton manoir, tu vas être coincé longtemps dedans. Ça va être chiant pour le bachelor, moi je vous le dis. Hein. Enfin, de toute façon, on a encore le temps parce que tant qu'il trouve pas les 6 reliques qui lui restent... Oui, 6. Hein, on n'en est pas sur 3 ou 4. Non, il en manque 6. Et puis, le calcaire restant, ben tant pis. Hein. Ben voilà, un petit footing... Sur son île, là, oh là là, quel bonheur. Moi aussi, j'aimerais vivre là. Franchement, la nature, la mer et la fibre. C'est tout ce que je demande. Qu'est-ce que c'est que cette musique que tu nous as mis là? La pop? Oh bah, tu danseras de la simrumba après dessus, parce que comme ça, les gens auront... Par contre, ça hurle, mec! Oh, réglez le volume, là. Moyen. En plus, je suis sûre que c'est copyrighté. Alors, prochain morceau. Zut, hein. Voilà! Ça, c'est de la musique qui s'adapte à la simrumba.
La musique latina, si, tu es beau. Oh, pide, wa, tu es beau, tu es chaud, oh oui, et tu en dors bien, oh, vas-y, oh oui. Comme ça, vous l'aurez déjà. Ah bah, regardez, ça l'ennuie. Il se fait chier en dansant sa fameuse rumba. Ah ouais, non, mais les styles de vie, des fois, ça peut être relou, quoi. Mais bon. Bon, bah, il a vraiment pas envie de danser. C'est dommage. Allez. Oui, alors franchement, Ayoma, dépêche-toi de faire de qu'on se débarrasse de tout ça à découvrir. Et promis, je t'ai réservé un petit truc. J'espère que ça te plaira et que ça plaira aux abonnés également. Bon, allez, c'est bien, tu fais des dons au musée. Ce crâne, il est vraiment super mignon, quoi. Enfin, super mignon. Il est beau, quoi. Allez, tu continues. Un autre crâne et une statue. Plus vite fini, plus vite, on passera à la suite, mon petit. Tu mets de la mauvaise volonté quand même, hein, mon petit. Eh, 21h30, on va arrêter de te faire bosser. Est-ce que tu casses les noix, là? T'es saoulé, là. Tu me saoules aussi, hein. Ah, ouais, moi, je te le dis, hein. On va être francs tous les deux, hein. Bah voilà, tu me saoules. Comme il n'y a personne qui est passé chez lui, ben, faut bien qu'il parle à des plantes, hein. En même temps, il aime ça. Et puis, peut-être qu'on verra celle-ci, capsule de croissance intergalactique, qui va pousser entièrement. Parce que la dernière fois, c'était pas le cas. Ah bon? Parler à des plantes, c'est pas assez d'adrénaline pour un Sims? S'il devient en danger. Bah oui, mais bon, moi, qu'est-ce que j'y peux? Et voilà, il se lève, il est déjà blasé. Bah écoute, tu veux me faire une mini douche tonifiante. Tu vas. Ah, plus il pleut. Tu vas me prendre encore des restes. Ah non, il n'y a plus rien. Bah tu vas me cuisiner. Le feijoada, tiens. Allez hop, du par 8. Et puis après, bah, un petit footing. Et puis. Comme d'hab, quoi. Le même programme qu'hier. Bah oui, c'est logique. Le footing avec la bouffe dans la main. Normal. Les factures à 10 000. Pourquoi, quand on est là, les factures font 10 000? Mais quand il est à Savadorada, elles font 40 000. C'est facturé parce que t'es en vacances et que le mec qui envoie les factures, il est pas content que tu sois en vacances. C'est cool, c'est cool. Ah bah voilà, maintenant il a le palais raffiné. Ah, casse-bonbon. Allez hop, tu vas m'aller tout de suite découvrir des choses ici. On va authentifier. Faut bosser, mon petit, hein, parce que là, il est midi, t'as rien foutu, quoi. Et deux petits trucs à offrir au musée. Ne t'en va pas, mon petit. Bah, ne disparais pas non plus, ce serait dommage. Tu vas me l'authentifier Scoutal, c'est bon. Et ici, ben, un crâne. Voilà. Allez, travaille bien. Allez, bingo! Il est reblasé. Youhou! Bon, maintenant il va appeler ses copines et en même temps il va faire des dons au musée. Il est déjà 19h. Mais il en fait que 4 par jour? On n'allait pas plus vite avant? Non, mais c'est le blasé qui le fait qu'il avance pas, quoi. Bon, allez, tu vas être puni. Tu vas m'en notifier. Ah! Oh, bah c'est bien, il nous en reste plus beaucoup. Allez! Allez! Courage, Ayoa, tu vas y arriver. Ben voilà, une contrefaçon et une authentique. Tu vois, on avance, Ayoa. Ah oui, ah là là, qu'est-ce qui se plaint, qu'est-ce qui se plaint. Vas-y, va regarder la télé, je m'en fous, fais ce que tu veux. Après, tu iras te coucher. Mais au moins, on passe le temps, hein, Ayoa. Et deuxième round de Sims Roomba. Quoi? Ça vous plaît pas? Il est pas dans le mood? Eh ouais. Ça va mieux d'un coup. Oh là, ça frétille, ça frétille. Et puis jusqu'à un moment où il va faire. Ah ouais, mais en fait, non, c'est vrai que je suis blasée. Sexy man. Oh voilà. Ça fait furtif. Ah purée. Mais qu'est-ce que c'est relou. Il va encore y passer une matinée, une journée en étant blasée. C'est chiant. Bon, allez, tu me saoules. Va courir. Non, tu mangeras après. Le footing d'abord. On entretient ce corps d'athlète. Non mais dis donc. Comme quoi, hein? Le petit footing, ça fait du bien. Moi, pendant ce temps-là, il est plus blasé, hein. Bon, on en profite, hein. Il est de bonne humeur. Bah, il va découvrir des objets. Enfin, il va les authentifier. Ah, ça y est! Oh non, il se réennuie. Ah, bah non, ça va mieux. Ah, bah non, ça va pas mieux. Voilà, hein. Vous voyez avec quoi je suis obligée de jouer, moi. Regardez-moi ça, ces manières! C'est vraiment... Relou. Allez,
Un authentique, tu pourras en faire don au musée. Et on continue sur le deuxième. Wesh, 46 000 oh. Intérêt pas rapporté, 46 500. Ah, oh, j'ai cru qu'il avait passé la barre des 1 million dans la poche, mais pas encore. Bon, arrête de faire tes manières et travaille un peu, là. Oh là là. Et le deuxième est également... Bon, on attaque les deux derniers. Allez. Voilà. Ah bah dis donc, comme ça, notre inventaire sera propre. Et tu pourras... Enfin, on pourra passer à autre chose. Bon, finalement, ça va pas durer longtemps. Allez, dedans au musée. Et on a officiellement fini tout ce qu'on avait dans l'inventaire. Bon, il nous reste encore pas mal de trucs dans l'inventaire. D'ailleurs, je suis en train de me dire... tout ça, là. On s'en fout. Hein, on les a tous. Donc, zou, ça dégage. Ça fera de la place. 3330. Allez. Puis, ben, bon, pour l'instant, on a encore pas mal de choses de côté. Mais bon, ça peut servir. Donc, ouais, tu vas prendre une petite douche. Tu vas chanter sous la douche, tiens. Ça va te faire du bien. Tandis que la petite plante alien a poussé. Prendre une bouture, faire des recherches. Vas-y, faire des recherches. Et arrose tout. Et puis, tu vas lui parler un petit peu. Peut-être qu'elle aura des choses intéressantes à te dire. Ah, donc c'est une FNI. Et elle est utilisée pour les simflouzes. Ah bon? T'en vas pas comme ça, mon petit. Voilà, va faire quelques petites longueurs, va. Presque 22 heures, ça va. C'est le début de la soirée. Tranquille. Ah, et il est reblasé. Je crois que cet épisode va s'appeler la blasitude. Mais qu'est-ce que... Ah, Chloé Lopez. Ouh là là. Ben viens, 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 Chloé. C'est vrai que celle-ci, on l'avait vue, c'est une vampire. Et on l'avait à peine parlé... Enfin, voilà. Bah écoute, tu peux lui complimenter la tenue, on va discuter avec elle. Pourquoi elle est tristoune, la pauvresse? Par contre, elle est bien habillée, c'est pas vraiment le cas, mais c'est pas grave. Wow, 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 compétence suite de charisme, Iowa. Ah là 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 là. Quel homme. C'est vrai qu'on n'avait pas été très très loin avec elle, hein. On n'avait pas conclu. Hein. En plus, c'est une vampire. J'allais faire une vanne un peu douteuse, voire gravement douteuse, donc je la ferai pas. Et si vous la devinez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Voilà, voilà. Bon, il a pas perdu la technique. Et elle est toujours open. Pourtant, ça remonte à loin. Hein. Ça remonte à loin, le premier bisou, mais voilà. Bon, elle est venue. On sait pourquoi elle est venue. Hein. Faut pas arrêter de tergiverser maintenant. Tous ceux qui viennent rendre visite à Iowa, on sait ce qu'ils veulent. On le sait. Bon sang. Et ceux qui devaient arriver arrivent. On va tester la petite sous la couette. Et puis d'un seul coup, il est très énergisé. Oh là là, attention, alignement énergétique. Hein. Il est content, il est dynamique. Hein. Oh là 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 là. Tout va mieux d'un coup. Ah ouais, dès qu'il y a une femelle dans le coin, c'est parti. Hein. Bon, au revoir, hein. C'était sympa, ma petite. Tu repasses quand tu veux. Allez. Encore un matin blasé, encore un matin chagrin, où j'en ai marre de pas bouger. Encore un matin pour rien, moi j'aurais bien voyagé. Alors, il est plutôt très heureux. Est-ce que la Simbrumba va être réussie? Troisième essai, hein. Ça a l'air d'aller. Ah là là, il a le smile, il a le smile. C'est plutôt pas mal. Bon bah alors Iowa, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Tu as réglé tes petites affaires, t'as tiré un petit coup, t'es de bonne humeur. Alors tu mérites une récompense. Oh, mais regardez. Ah oh, zut, je l'ai vendu. Il y avait un autre fruit bizarre, c'est pas grave. Tu me fais une super vente de ça? Et puis promis, tu as ta surprise après. J'espère qu'elle te fera plaisir, mon petit Iowa. Hein? Je l'espère vraiment. Voilà. Go pour la surprise! Ouais, bon, ok, pour une surprise, il a pas l'air très rassuré. Bon, j'avoue, on tombe pas au meilleur moment. Ah, oh, j'en ai marre! On est, eh bien, à Solani, mais en plein orage.
Forcément, ça va pas bien se passer. Mais j'ai transformé cette maison résidentielle en maison de location que j'ai un petit peu améliorée pour que Iowa puisse partir un peu en vacances. Ah ben on peut pas rentrer. Je sais pas du tout comment on fait pour pouvoir louer une maison. Donc ça, je sais pas si ça a l'air d'aller. Donc viens ici. Voilà. Mets-toi à l'abri. Et on peut pas rentrer dans la maison. Bah va ici alors. Ah bah si, d'accord, ok. Donc logiquement, j'avais préparé cette maison pour qu'il puisse prendre des vacances. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah il va nager! Bah oui, mais c'est logique! Il a plein orage, mais lui il va aller nager. Mais regardez, il est content! Voilà, il visite un endroit lointain. Il lui en fallait pas plus, hein. Ah bah regardez. Il se fait plaisir. Voilà. Il nage dans l'océan. L'appel de l'eau était beaucoup plus puissant que l'orage. Donc, ben, il se fait plaisir. Et il va passer quelques jours ici, en tout cas si ça fonctionne. Puisque, bah, c'est sa récompense. En attendant de retourner à Selvadorada, pourquoi pas se faire plaisir et se dorer la pilule, enfin, quand il fera beau. Eh bien, à Solani, quoi. Oh non, mais c'est vraiment le miracle, hein, dans les Sims, regardez. Oh, l'orage qui finit. Et voilà! C'est comme s'il n'y avait jamais eu d'orage, quoi! Retour au temps magnifique et au paysage idyllique. Paradis de Soulani. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais où est-ce que tu vas cuisiner? Mais Iowa! Où vas-tu avec ton plateau de salade? Je comprends pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Mais suivons-le. D'accord, ok. C'était juste pour poser là. Donc ça ne marche pas. Reprendre salade César. Allez, fais-moi une salade. Oh là là. Oh là là, quelle musculature. Incroyable. Ok, d'accord. Tu retournes à la maison faire ta salade que je t'avais demandé de faire à la base, mais que t'as voulu amener sur ça. Ouais, il voulait visiter le coin. Ouais, mais fais gaffe parce qu'il repleut. Là, vraiment, le temps est instable. Il n'aura même pas eu le temps de poser ses fesses dans le sable, quoi. Mais bon. Oh! Cuisine gastronomique niveau 3. Ah, que c'est beau. Ayoua, est-ce que tu aimes ce petit endroit? Comme ça, au calme, au bord de l'eau, avec un magnifique horizon. Des fonds marins splendides. Bah, c'est ta récompense! Logiquement, tu devrais avoir accès à la maison, mais je sais pas trop comment fonctionne une location. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir les activités ou non de Iowa à la plage, après Iowa dans la jungle, Iowa dans l'escalade, à Iowa au ski. Nous avons droit à Iowa à la plage. Et ça, c'est aussi très agréable, surtout pour les yeux. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. C'est la meilleure façon de me soutenir et de me faire connaître et pour que YouTube me mette en avant. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!